l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes, vous réussirez. La parole de Dieu ne vient qu'aux prophètes. Un prophète, c'est l'interprète divin de la parole. Par un prophète, Israël fit monter hors d'Égypte. Par un prophète, Israël fit garder. C'est pourquoi je m'accroche à la parole, au message de l'heure, prêché par William Branham. Jamais quand on d'un prophète. Là, à Sabino Canyon, l'épée du roi a été remise dans la main de Branham. La plénitude de la parole, c'était le troisième pull, l'incarnation de la parole dans un vase mortel pour révéler les mystères. Ce n'était pas Branham. Qui nous dit de la part du Seigneur, au-delà du rideau des temps, tous les saints s'étaient écriés. Si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. C'est grâce à ton message que nous nous retrouvons au ciel. C'est grâce au message de l'or que nous nous retrouvons ici. L'ange du Seigneur lui avait dit que tous ceux qui t'aimeront et tous ceux que tu aimeras, ils sont à toi, je te les donne. Mais la chose la plus difficile, c'est de voir immortel croire un autre immortel. Jamais qu'on me parle de ce que le Seigneur m'a dit au travers de Branham, la bouche autorisée. Jamais qu'on me parle de mystères révélés. Vivifica.